Alors la formation SVT est une formation qui est à destination des bacheliers et qui est sur 3 ans. Donc qui permet ensuite d'arriver sur un master puisque c'est une formation généraliste. Et c'est une formation qui n'a pas pour but d'apprendre un métier. Néanmoins, il y a une petite spécialisation qui arrive au cours de la deuxième année et qui se prolonge ensuite en troisième année. Il y a une spécialisation plutôt laboratoire, analyse moléculaire, cellulaire, qui se spécialise dès la deuxième année pour finir sur le parcours biologie cellulaire moléculaire en troisième année. Et il y a ensuite une spécialisation plus environnement, naturaliste, approche terrain, approche d'écosystème, qui est sur les deux parcours biologie générale et biologie environnement. Alors après, la distinction entre les deux est un peu plus physique, c'est-à-dire que la biologie, le parcours sciences de l'environnement sera plus porté sur l'environnement physique, alors que le parcours biologie générale sera plus porté sur l'environnement biologique. Pour les matières de cette formation, il y a de la biologie, de la chimie, de la physique et des mathématiques en particulier. Il y a des cours magistraux où l'ensemble des étudiants est rassemblé en amphi. Ça peut aller jusqu'à 100, 200 étudiants hein, pour la première année. Ensuite, il y a des TD où les étudiants sont rassemblés par 40, avec souvent des exercices ou des cours. Ça peut être aussi des restitutions orales, ça dépend un peu du thème. Et puis également les travaux pratiques où les étudiants sont rassemblés par 20. Et là, bien sûr, c'est lié vraiment aux manipulations expérimentales. Et pour l'organisation, en moyenne, il y a à peu près un tiers de cours, un tiers de TD et un tiers de TP au niveau du temps pour chaque matière. Les sciences abordées en licence vont être beaucoup plus généralistes que ce qui est abordé en terminale, en première ou même en seconde. En fait, disons qu'en seconde, en terminale et en première, on appréhende un petit peu quelques aspects de la biologie qui sont parfois assez d'ailleurs approfondis. Mais à la fac, ce ne sera pas forcément ces mêmes aspects qui seront approfondis et abordés, tout du moins pas de la même façon. Ce qui fait qu'un étudiant qui n'a pas forcément pris l'option SVT en terminale pourra quand même réussir en licence, bien sûr. Par contre, il faudra peut-être reprendre un peu plus de base que pour un étudiant qui aurait suivi cette option. Le profil recruté pour les terminales est un profil plutôt scientifique. Donc on préconise de garder les deux matières scientifiques parmi les trois anciennes. Alors ça peut être physique, chimie, maths, ça peut être physique, SVT ou les deux derniers. En fait, c'est bien. Après, bon, on fait... En fonction aussi de votre spécialisation, vous allez avoir plus ou moins besoin de maths ou de physique également. Donc c'est difficile de dire à l'entrée, si vous n'avez pas suivi là, par exemple la physique, ça ne veut pas dire du tout que vous ne réussirez pas. C'est en fonction des options suivies, peut-être que vous aurez à un moment une petite lacune que vous travaillerez pour la combler. Rien de définitif là-dedans. Les poursuites d'études avec la licence SVT sont très très larges, puisqu'on a à la fois le monde des laboratoires, également de l'ingénierie qui est ouvert, et on peut également tout aussi bien travailler dans un organisme qui s'occupe de la qualité de l'eau ou bien dans des collectivités territoriales. Donc c'est vraiment un profil très divers. On peut très bien faire du labo toute la journée ou à la fin manager des équipes ou tout aussi bien aller presque faire du conseil. Enfin, c'est très varié. Les masters en fait donnent la coloration professionnelle et c'est en fonction de master choisi. Les masters jusqu'à présent choisis par les étudiants sont très très larges et c'est à la fois des masters de chimie, des masters de biochimie pour le parcours BCM, des fois de bioinformatique, il y a même des masters de droit de l'environnement, on peut aller aussi presque dans des masters pas loin de la géographie, donc c'est très très large pour les sciences de l'environnement, il y en a qui partent en master écologie. Et également master enseignement. L'université Bretagne Sud, ça reste quand même les petits effectifs, puisqu'on est dans une fac qui a un peu la taille d'un grand lycée quand même, donc on connaît bien nos étudiants, c'est vrai qu'on les suit, on les voit régulièrement. En première année et en deuxième année, il y a un tutorat qui est mis en place, donc c'est 2 entretiens par an pour l'élève avec un enseignant qui est dédié. Donc c'est vraiment un moment quand même d'échange sur la professionnalisation, le choix des UE. On fait également beaucoup de travaux pratiques, hein, en temps horaire, ça reste une licence très pratique. Le
L'autonomie des étudiants est assez développée puisqu'on a des retours d'étudiants qui sont acceptés en stage et qui disent ben, finalement, voilà, les maîtres de stage nous disent on est très autonome. Donc ça, c'est un bon plus. Et enfin, c'est également ben, toutes les dimensions de terrain. Il y a des stages de terrain qui sont proposés en écologie et en biologie des organismes, en L2 et en L3, dont un sur l'île de Bayron, la station biologique marine de Rennes 1, et le deuxième est proposé sur l'île d'Édic. Et puis, je viens d'y penser, il y en a en géologie qui est proposé à Crozon également. Concernant les stages, nous proposons en troisième année un stage obligatoire. Donc les étudiants sont tenus de chercher le stage et de l'effectuer, donc il dure 2 mois, dans une structure de leur choix. Donc ça peut aller de l'école jusqu'à l'ONG en passant par l'association, le laboratoire, la collectivité territoriale ou les entreprises. Il faut simplement que ce soit du niveau L3, donc c'est l'occasion pour les étudiants d'explorer plein de nouveaux milieux professionnels qu'on ne connaît pas. Donc le retour de ces stages est très positif. Les étudiants sont en général très contents d'avoir eu un premier pas professionnel, et puis c'est aussi juste avant de postuler en master en se disant est-ce que c'est bien vers ce master, vers ce type de professionnalisation que je veux me destiner. Il est également possible pour les étudiants de L2 mais surtout de L3 de se déplacer à l'étranger sur un semestre ou l'ensemble des 2 semestres, donc pour une année. Et pour le L3, il y a le combo gagnant qui est ben, de partir à l'étranger au premier semestre, de revenir en janvier-février et de repartir à l'étranger en stage de mars à avril. Je suis toujours ravie d'accueillir des étudiants et surtout, ben, n'hésitez pas à venir chez nous. Et puis, on va vraiment tout faire pour que vous puissiez réussir ou tout du moins réussir à trouver votre voie. Je dirais que la fac, c'est... Bien sûr, il y a la réussite, mais il y a aussi l'exploration, puis voilà, la découverte de plein de nouvelles choses. Donc, je dirais, oui, venez. Ça sera toujours forcément une expérience incroyable.